Bien que les intrigues d'un si grand soleil, le feuilleton à succès de France 2, soient déjà bien suffisamment imprévisibles, les auteurs de la série réussissent pourtant le tour de force de surprendre davantage les téléspectateurs en formant un couple à l'écran totalement inattendu. En effet, en ce début d'année 2021, les fans de la fiction ont la surprise d'assister au rapprochement de Johanna et Julien. Une attraction tellement insoupçonnée qu'elle en a même décontenancé les interprètes des personnages, Aurore Delplace et Jérémy Bansté. Dans les colonnes de Téléstar en kiosque lundi 15 février 2021, les comédiens se sont d'ailleurs confiés sur ce revirement sentimental, tout en imaginant l'avenir de cette union. Pour Aurore Delplace, qui se glisse dans la peau de Johanna dans un si grand soleil, si l'idylle entre Johanna et Julien a d'abord été un choc, elle juge pour autant que ces deux-là sont finalement plutôt bien assortis. Hélas, Julien est encore en proie à certains démons qui le hantent, ce qui ne le rend pas totalement disponible quant à cette relation au commencement chaotique selon la principale intéressée, Julien a des enfants, pas elle. Point, ils ont du mal à jouer la partition de la famille recomposée. Et puis, elle sort d'une rupture compliquée, avec Ludo, note de la rédaction. Un nouveau couple durable dans un si grand soleil? De son côté, Jérémy Bansté, qui incarne donc Julien, l'ex d'Alice, Maël Mieton, estime que ce couple est comme une transition. Il ajoute, peut-être que leur rencontre sert-elle à combler un vide? Julien est chef d'entreprise, si est un père responsable, il ne peut pas faire n'importe quoi. Là, il profite de ce que la vie lui offre tout en restant vigilant. L'acteur qui se veut prudent à propos de cette intrigue a-t-il raison de l'être? Johanna et Julien développeront-ils des sentiments sincères et profonds l'un pour l'autre? À suivre dans un si grand soleil, chaque soir à 20h40 sur France 2. Propos recueillis par Sandra Carras, à retrouver en intégralité dans votre magazine en kiosque ce lundi 15 février.